Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, aujourd'hui on va continuer notre tuto à travers nos objectifs et celle de commencer la configuration dynamique. Pour cela, on va directement renommer nos serveurs, nos routeurs, pardon. Et on va faire la configuration dynamique qu'on va faire aujourd'hui, le RIP. On va commencer par RIP 21. Tout cela, on va l'expliquer bel et bien. Et cela va vous permettre d'assimiler quelques connaissances qui va vous donner l'envie de faire un peu de la recherche après. Tout ce qui est configuration, on va le faire ici. Et tout ce qui est d'autres connaissances pour approfondir vos recherches, vous pouvez directement le faire en ligne. Il n'y a pas d'autres soucis. Il n'y a pas de soucis là-dedans. Bien. Bon. On va renommer tous nos serveurs. On va renommer tous nos routeurs, pardon. J'ai l'habitude de travailler avec le serveur de manière que je n'arrive pas à me débarrasser du nom. Alors, premièrement, on va donner les adresses. Ici là 192.168.5.0/28. Ici là on va travailler sur les 10.192.168.10.253 ou bien 254. Et ici là on a 192.168.10.253 et on a 192.168.10.10.0/24 et enfin ici là on a 192.168.4, c'est pas grave, .1. Notre page de réseau c'est 168.4.0/24. Alors on va se baser sur le protocole de routage RIP. Ça c'est RIP 21. Le RIP en question, bon, avant 1994, les adresses IP, on les utilisait comme de gaspillage d'adressage, selon laquelle si on prend une adresse réseau, on l'utilise comme ça, même si on a moins de nombre de machines, mais on l'utilise. Et si on a d'autres endroits, on va encore prendre encore une autre adresse jusqu'à cette date, quand on arrive directement à se débarrasser d'abord de routage statique qui est un peu ennuyant, mais aussi arriver à commencer à travailler sur le routage dynamique. Là-bas, on travaille sur les classes d'adressage, c'est-à-dire classe A, classe B, classe etc. Et depuis lors,
on a basculé dans le mode de dynamique pour travailler les endroits selon lesquels les routages sans classe. C'est-à-dire, le classe n'existe plus. On fait ce qu'on a envie de faire. Et tout marche à la merveille. On ne jette pas d'argent dans une fenêtre pour rien du tout. Alors, pour cela, aujourd'hui, je vais bien expliquer cela dans le côté pratique. Je dis bien dans le côté pratique. Le côté théorie pouvait directement faire de recherche. Oui, vous pouvez faire directement de recherche comme ça. Vous pouvez être à la même niveau que les autres. Entre-temps, je vais vous mettre directement dans le bain. Si vous regardez ce réseau qui est ici, le 192.168.4.0/24, ça c'est notre premier réseau. On a une deuxième réseau qui est là. 192.168.10.0/24 et enfin on a ce réseau qui est ici, le 192.168.5.0/24. bien, on va aller tout d'abord faire la configuration de base avant directement d'avancer dans notre ambition sur le routage dynamique. Le routage dynamique insiste. Mais quelle est la différence entre, c'est ça la question, quelle est la différence entre routage statique et routage dynamique? Et comment on va y procéder? Premièrement, si on travaille sur le routage statique, si vous vous souvenez très bien, on doit déclarer le réseau distant au serveur selon lequel nous sommes. Alors que dans le routage dynamique RIP, on n'a plus besoin de déclarer de réseau distant. On doit directement, si on est dans le routeur Dakar, on doit faire quoi? On doit directement déclarer seulement le réseau qui est là. Le réseau qui est connecté directement au routeur, mais pas le réseau distant. Si on est ici là, on va déclarer seulement celle qui est ici. Le tour est joué et la configuration est terminée, mes amis. Alors, de ce fait, on va se lancer automatiquement en commençant par Dakar. Moi, j'aime beaucoup Dakar. Alors, commençons. Terminal host name Dakar interface 0/0 IP adresse. J'espère que les gens sur lesquels me regardent sur les titos puissent directement maîtriser ça parce que je le fais comme d'habitude. Mais dès qu'on passe à la sécurité, là où on n'a pas le droit de retourner faire la même chose, la même chose, la même chose à la fois. Mes amis, je veux utiliser le même topologie pour aller directement dans les travaux de la sécurité. Je ne peux pas retourner faire la même chose. Alors, s'il y a une personne qui me regarde et qui regarde le tuto et qui aime les tutos, je vous en prie, commencez à faire les exercices. Allez à Google Classroom, la plage selon laquelle j'ai dédié de faire tout le possible, de mettre directement toutes les corrections qu'on fait et tous les topologies nécessaires que la personne puisse directement s'améliorer très bien chez lui. Allez prendre ça, fait quelque chose et envoyez-moi directement un message. Ça, je n'ai besoin pas que de ça. Ça me fera énormément plaisir. Merci. Et no shutdown.
Et là, nous allons directement à faire exit pour retourner un petit peu derrière et prendre une autre interface serial 0 slash 0 slash 0 IP adresse 192.168.10.253 255.255.255.0 no slash. Et ici là, on va mettre quelque chose à nouveau, le clock rat. Et là, on va prendre directement 6430. Valider. Oh là là, c'est bien d'être à nouveau. Aïe, voilà. Et dès qu'on a terminé, on va sortir complètement. On va enregistrer d'abord tout ça avant de faire rien du tout. On enregistre tout ça pour que nous puissions directement voir alors d'abord l'autre côté et regarder si les machines sont bel et bien démarrées et tout ça. Ça va nous donner, ah là 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 là, ça va nous donner un grand plaisir. Comoros. Ah, mon paradis secret. Interface J0 slash 0. IP adresse 192.168.5 si je crois bien. 255.255.255.0. Celui-là, on peut le déplacer comme ça pour voir très bien. Vous voyez très bien, c'est bon, je crois. Voilà. Parfait. Et on tape la même chose. On recule un petit peu. Et puis, on va taper l'interface serial 0 slash 0 slash 0. On valide et après on va taper directement l'adresse 192.168.10.253. C'est quoi ça déjà? 254. Allez, Fidélie, à la Hakika, je te dis que c'est une famille qui m'a un groupe qui a mis WhatsApp. WhatsApp, tu te rends valoir, me balancer, valer pas vu, donc à Kajamba, à ton rangier, on galère comme moi chez moi. C'est ce fan du moment où on va balancer, on dit ma valeur, donc à Kajamba, où tu me rendais service, et Kenya, où c'est là où là, au Kajamba, mais bon, bon, moi, ça, donc à la bombe, j'ai tout de suite. Bien, mes chers amis, veuillez m'excuser. Waouh! No shutdown. Et puis au moment que tout est branché, tout est configuré à la configuration de base comme d'habitude, on va désactiver plus précisément ce qu'on les appelle la recherche DNS. La recherche DNS, que si vous savez très bien DNS, le DNS c'est une erreur. D'autres, vous savez très bien que chaque réseau que vous vous connectez, ce réseau-là est relié plus précisément à une adresse IP plus un nom de domaine. Ce nom de domaine-là, ça c'est le DNS. Le DNS, au lieu de taper l'adresse, vous tapez directement. Si vous tapez 8.8.8.8, au lieu de taper tout ça, il suffit directement de taper google.com. Si tu tapais la même chose, c'est ça. Bon, c'est ça, mes amis. On reviendra à tout ça pour décortiquer toutes les soucis nécessaires pour que vous puissiez directement vous épanouir dans le domaine de l'informatique. Nom IP, adresse, domaine. Domaine.
là, on le désactive, la recherche DNS. On n'a pas configuré de DNS, il ne doit pas chercher du DNS. C'est ça l'idée. Là, on va sortir complètement et puis on va faire quoi si vous comprenez très bien la chose. Voilà. On a tout basculé comme ça là. Ouh, mon Dieu. Ah, ça paraît de bien. Moment qu'on est là, on va faire quoi déjà? On va basculer dans l'autre. Ah, merci. Ah, ça fait du bien. Là, au moment qu'on est arrivé à là, on va faire seulement quelque chose qui est très intéressant et qui est digne. C'est de vérifier est-ce que ça fonctionne. Entre temps, on va aussi désactiver la recherche DNS ici, ce qui va nous permettre directement de faire les choses à la bonne manière. Non, IP domain. Bon, tu as dit. On se retrouve question en pesant pour Kazia. Merci, Wandi, bien à Zango. Voilà. Au moment qu'on a tout configuré, on a bon, presque tout enregistré. Hein, pour être sûr. Ce qu'on va faire, c'est quoi déjà? On va ajouter. D'accord. Je suis en train de bien sur une caméra là, bas mais on ne sait pas. Ya voici là. On va balancer tous les adresses IP. Ici, on sait très bien quoi. 192.168 quoi. 5 quoi. 20. Ah, ah, les gingembre pique, hein? Ça fait du bien. 92.168.4.20. 192.168.4.10. 192.168.4.1. Voilà. Si on vient ici, on a tapé IP config. C'est tout parfait. Si on a fait un petit ping à notre passerelle par défaut, .4.1. Voilà, tout va à la merveille. Alors, on va entamer directement ce qu'on appelle
le routage dynamique par IP, par RIP, pardon. Je dis très bien qu'on va utiliser, on va déclarer seulement les adresses qui sont connectées directement au routeur. Alors, pour ce faire, on va aller à la configuration terminale. Et puis, on va taper router. RIP. Et on valide. Si par exemple, bon, si on va faire le RIP V2, vous verrez la différence. Mais puisque c'est RIP simple ou bien RIP 21, on va directement aller au vif du sujet. On va déclarer directement notre réseau. Le premier réseau, c'est 192.168.4.0. Le second, c'est le 192.168.10.0. C'est-à-dire, on va mettre directement nos adresses réseau. Il faut savoir entre l'adresse IP et l'adresse réseau. Ça, je l'ai expliqué dans les premiers tutos. Si la personne qui va regarder celui-ci n'a pas regardé les autres tutos, il doit aller regarder les autres tutos, je vous en prie. Alors, au moment qu'on a terminé ça, on va sortir gentiment et on va enregistrer. Il ne faut surtout jamais oublier d'enregistrer votre configuration, sinon au prochain démarrage, vous verrez directement seulement la topologie, mais la configuration n'est pas à l'intérieur. Bien. Alors, on va faire la même chose ici. Configuration terminale. Et là, le router. RIP. Network. 192.168.5.0. Network. 192.168.10.0. Et là, le tour est joué. On va enregistrer tout. Copie, remis, start type config. Le vidéo est dédié à tous les étudiants qui sont en première année et en deuxième année à l'université Thomas Sankara. Ou bien on peut l'appeler IPD, École Polytechnique de Dakar. Je vous remercie à tous les étudiants qui se trouvent là-bas. Je vous aime beaucoup. Et là, on va aller à faire le test. Ce test insiste à quoi? Nous sommes là-bas. Si vous regardez IP config, si on valide directement, vous voyez les adresses IP et autres. Et cela, on va commencer directement à tester. En réalité, on avait testé ceci. 192.168.4.1. Ça marche à la merveille, n'est-ce pas? Ok, 4 sur 4 reçu. D'échec, c'est 0%. On va rappeler juste la commande pour tester notre 10. Mais ici, là, ce n'est pas 1, mais c'est 253. Et on valide. Tchouhou! Voilà, ça passe à la merveille. 4 messages envoyés, 4 messages reçus. Veuillez me pardonner. Et on va ici au point 254. 4 messages envoyés, 4 messages reçus. Et après cela, on va plus loin. On va directement au point 5. Et qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que vous voyez là? 4 messages envoyés, 4 messages reçus.
Et enfin, on va utiliser le 10, ça c'est notre machine distant, pour voir directement qu'est-ce que va se passer. Qu'est-ce que va se passer. Là, pour une première communication avec le PC, lui, il doit prendre les informations, les renvoyer, et après, il va communiquer. Le temps, c'est nous là qu'il va faire tout cela. Il a perdu un message, 25% de messages perdus. Nous rappelons directement la commande pour voir est-ce qu'elle va perdre encore quelque chose. Et c'est que vous voyez, boum, 4 messages envoyés, 4 messages reçus. Alors, si vous êtes content, c'est-à-dire que moi-même, je suis content. Alors, je vais aller ici. Ça, je crois que c'est ça, ipconfig. Ça, c'est le point 20. Si on rappelle le point 20, pour la première fois, il va chercher l'adresse et tout ça. Et après, il va communiquer. Presque la même chose. Hein. Voilà. Et là, nous revenons ici pour faire la même chose. Ping 192.168.5.1. Ping point 10. Ouais, ça marche à la merveille. Et là, on va remplacer ça par 10 et celui-là par 254. 4 sur 4. Et là, on va continuer. 253. Bouf. Voilà, 4 sur 4, mes amis. Et là, on va ajouter un ici, là, et on va retourner au 4. Et après, on va communiquer avec nos machines distantes. Il y en a, je crois, 20. Là, c'est parti. Parce que eux, ils étaient déjà communiqués pour une première fois. Raison pour laquelle il n'y a pas de bug. Si on va au 20, au 10, voilà. Je vous remercie. Je vous aime beaucoup. Je vous aime tous ceux qui ils ont eu le courage et la détermination de regarder mes tutos. Je vous aime infiniment. Et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se abonner à ma chaîne, je tiens vraiment de tout mon cœur que vous puissiez vous abonner et de me rendre ce plaisir. À très bientôt, à la semaine prochaine. Comme vous le savez très bien, chaque semaine, je fais plus précisément un tuto. Tout le monde va faire ses exercices. Il envoie directement ça. Je veux voir là où il y en a un souci. Et après, je vais intervenir. Après ça, on fera encore un autre tuto. On ne doit pas faire un tuto chaque jour alors qu'on ne sait pas l'évaluation des étudiants. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, je vous remercie infiniment.